Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 24e épisode de notre saison 2 sur The Infected. On est dans l'avant-dernier POI, en train de faire l'exploration. Hein, rappelez-vous le dernier épisode. Et surtout, bon, on approche de la fin de cette exploration. Hein. Je crois qu'on a commencé par cette maison. Donc il nous reste celle-ci, il nous reste 4 maisons grosso modo à faire. On a trouvé les deux technologies, donc de ce point de vue-là, c'est terminé. On a juste à terminer de looter, notamment voilà, si on trouve du plastique ou qu'est-ce qu'il nous faut? Du plastique et des pièces mécaniques. Alors ça y est, j'ai été refaire un screen hors caméra, donc j'ai pris ma partie, je suis retourné à la mano voir le camion pour refaire un screen et avoir les compos. Donc c'est 20 lingots d'acier, 20 lingots de fer, 15 pièces mécaniques et 25 plastiques. Voilà, si on veut le réparer. Et après, bien sûr, il faut de l'essence pour pouvoir bah, s'en servir et surtout le ramener à notre base. Donc ça va être un des objectifs là, bientôt. Donc ça, j'en veux pas. Ça, j'ai fait. Là, on va juste terminer de looter les maisons pour avoir un peu de ressources. Et notamment espérer tomber sur ce type de ressources. Donc pièces mécaniques ou plastiques comme je viens d'avoir là, il y a quelques instants, il y a quelques secondes. Et ensuite, bah, on rentrera tranquillement. Donc là, normalement, j'ai tout looté. Il me reste que les tâches à faire. Voilà, et ceci. Ok, donc, c'est parti. On perd pas trop de temps. Enfin, en tout cas, on essaye. Du Kevlar, une brique et... Bon, s'il y a autre chose, une fois de plus, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Ok, le truc est là. J'ai ma lance. Oh. Ok, ouais. Il faudrait que je la termine, cette lance en os, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je la garde. Nickel. Du coup. On va aller là-bas. C'est cette maison-là en premier. Alors, du charbon, des clous, 10 clous, c'est quand même intéressant hein, quand on trouve comme ça. Ok, nickel, et une petite cocotte. Voilà, 10 vis, bah, mine de rien, 10 vis, c'est cool hein, aussi. Pour des plumes, du gras. Ça, on s'en fiche. Du minerai de fer. On prend. Et donc, c'est une maison. Il n'y a pas d'étage ici? Ah, si. Si, il y a un étage. Alors, là. Waouh, c'est généreux en vis et en clous, hein. Ça, c'est bien. C'est très, très bien. Ça, j'en veux pas. Fibres végétales non plus. Là, on n'a rien. Des graines. Ok. Des graines. Et c'est tout. Ok, on peut redescendre, on peut sortir. Et on va aller à l'avant-dernière. L'avant-dernière, normalement. Qui est. Bah on va faire celle-là au milieu, puis on fera la dernière juste après. Voilà. Alors, la petite salle de bain avec rien. Ici, on n'a rien non plus. Et là, on a une brique sèche et des graines. Ok. Sur la table, des graines. Je vois rien d'autre. Des graines. Vive les graines. Ah, je suis pas une poule hein, pourtant, mais. Bon, une petite patate. Une petite fiole verte. Et de la suie. Ok, étage mansardé. Ah non, il n'est pas mansardé cet étage. Ok. Plume. Rien sur les fauteuils. Encore 10 clous.
Et une trousse de soins. Impeccable. La sortie, hop. Non. Va tuer celui-là. Oh, bien. Petit lingot. Alors, qu'est-ce qu'on peut ranger là? Ok, dans ce coffre-là. On va mettre tout ça. Il est où? Il est là. Parfait. Et donc la dernière maison, c'est celle-ci. Parfait. Voilà, comme ça, après, on va pouvoir rentrer. Il est quelle heure? Il est 11h moins 20 du matin, donc ça va. Alors, en pièces mécaniques, j'aurais pas trouvé grand-chose. C'est un petit peu dommage. Où est-ce qu'il est, le pépère? Ok, on l'a eu. Il nous a donné de l'argile. Et donc, du coup, j'ai cassé ma lance en os. Ok, il me reste une lance en, ma lance en acier. Donc ça va durer un petit moment. Ah, du plastique encore. Ça, j'en veux pas. Les graines, non. Encore des graines. Mais du coup, ça a l'air d'être... C'est quoi? C'est un plein pied, ça? Il n'y a pas d'étage. Ok, donc on a terminé, les loulous, l'exploration de ce POI. On a trouvé les deux plans. On va pouvoir repartir. Repartir, repartir. On va repartir à peu près comme ça. On va couper, hein. Ok, là je suis au POI. Je pense que je me suis... Ouais, un peu décalé, c'est pas grave. On va aller récupérer la route et puis on va... Oh, il y a un vambise là, on va essayer de l'éviter. On va aller récupérer la route et ensuite on va voir comment on rentre. Je pense que je vais essayer de couper au max pour gagner du temps. Je vais essayer de rejoindre l'intersection. Bon, bah, en tout cas, ça aura été productif. Nickel. Donc, si on dézoome un peu, on va éviter de passer par les crocos quand même. Donc, il faudrait que je coupe effectivement, mais il faudrait que je coupe un peu plus ou moins par là. Il faudrait que je teste de tuer des crocos à la lance, voir ce que ça donne en fait aussi. Peut-être l'occasion de tester en faisant une petite sauvegarde juste avant. Si on prend tarif, et bien on prend la save et comme ça on prend zéro risque. Donc les crocos, bah, ça a l'air d'être par là. Allez, on va tenter ça, tiens. Ça pourrait toujours être intéressant d'avoir le sac à dos amélioré, même si... bah, on arrive tout doucement mais sûrement on arrive, enfin quoi qu'on arrive sur la fin de du jeu, pas vraiment hein, sur la fin de la saison, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors j'aurais peut-être dû me refaire de l'eau. J'ai pas mon stock d'eau en tête. Bon tant pis hein, on fera sans. Alors, on se rapproche. Ah, je pense que clairement, les crocos, faudrait les faire à distance. Alors, est-ce que je fais une sauvegarde ici? On n'est pas très loin de leur
potentiel emplacement. On va faire ouais, on va faire la save là. Voilà. Sauvegarde en cours, on est bon. Et donc c'est parti. Alors surtout ne pas en aggro 2 en même temps. Ouais, ce serait un peu dommage. Non, là c'est un autre lac. Donc ils sont devant là logiquement. Hein. Ouais. Ok, on va prendre la lance. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'eau? Est-ce qu'ils sont au bord de l'eau? Non, c'est des crocodiles, hein, ils peuvent faire les deux. Je sais pas trop la vitesse qu'ils peuvent avoir. Donc on est sur la petite zone marécageuse de la map, hein. Est-ce qu'il faut aller au milieu pour les trouver? Est-ce qu'on peut en trouver sur le bord? En tout cas, en termes de PV, on est à fond. Donc le premier combat qu'on va faire, bah, on sera vite fixé. J'en vois un là-bas qui se déplace. C'est quoi ça? Moi, j'avais cru voir quelque chose là. Bon, bah, on va aller au centre, hein. Ça a l'air d'être au centre qui se trouve. Ok, il y en a un là, un là. On va tenter d'aggro celui-ci là. Ok, bon bah ça va, hein. Ah oui, j'avais zappé ça. C'est vrai. J'avais complètement zappé ça. Je vais pas pouvoir les dépecer. Eh bien oui. C'est vrai. Il me faut la table de dépeçage pour récupérer. Bon, en tout cas, ils font très mal, hein. Vous avez vu, j'ai perdu la moitié de ma vie. Il faut que je retrouve mon chariot maintenant. Chariot. Il est par là. Ok. Bon, bah on a vu ce qu'il en était. Ça pipique, hein. Ça picote. Hein. Donc ils font très mal. Alors 1v1, on peut les tuer, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, soit on a intérêt à avoir quelque chose à régène. Je crois que j'ai mis 4 coups de lance, hein, pour le tuer. Et il a dû me taper au moins une fois, voire peut-être deux. Je suis pas sûr du tout. Ils sont pas hyper rapides. Par contre, on n'en enchaîne pas deux, quoi, en fait. Hein, parce que si jamais on se loupe. Je pense que je l'ai tué assez vite là, mais si par exemple j'en faisais un deuxième et que je me fail sur un coup de lance et qu'il arrive à me taper une fois de plus, je suis mort, hein, clairement. Donc c'est faisable. Par contre, le problème c'est qu'il faudra emmener un banc de dépeçage avec nous. Parce qu'il faut les dépecer sur place. Voilà. Bah au moins on a testé. Ça c'est cool. Donc maintenant on va rentrer. Il nous reste donc à voir les crafts de pas mal de choses. Toujours essayer de comprendre le système du château d'eau, hein, que pour l'instant je ne comprends pas. On va faire le point sur les ressources pour réparer le véhicule aussi. Et on
on a le, donc les, on a débloqué l'accès au cadran solaire, enfin au machin solaire. J'ai perdu, je perds le nom. La table d'alchimie. On a l'autre, on a plusieurs tables de craft encore à faire. On a aussi la scierie à améliorer là. Ok, j'ai soif. Va passer par là. On va pouvoir se poser tranquillement sur le reste de l'épisode, se remonter les jauges, refarmer ce qu'il faut pour avoir du stock de bouffe, de nourriture, et surtout bah, commencer à check un peu les tous les crafts. On va avoir du taf. Toi, je peux pas te récupérer. Alors attendez, je vais manger ça. On va faire ça comme ça. Toi je te mange, toi je te mange. Toi il va pas falloir que je tarde non plus. Ok. Ici ça j'en veux pas. Voilà. Donc. Allez, on est reparti, on est presque arrivé à la maison. Donc, faire attention qu'il n'y ait pas un vambise ou un ours. Oh, je suis coincé. Nickel. Donc, ici déjà, on va prendre tout ça. On va sortir la lance. On va voir ce qu'on peut transformer. Et j'espère que je peux faire encore un petit peu d'acier. J'ai du plomb. Ouais, je peux faire un petit alliage. Ça, c'est bien. Toi, je vais te mettre là. Non, je ne peux pas. J'ai pas la place. Alors. On va mettre ça. L'acier. Ça, je le transforme pas. Là, je touche à rien d'autre. On va allumer la forge. Ok. On met ça ici. Alors, j'ai un câble de plus. Ça, c'est pas trop mal. Du Kevlar. Là-dedans. On va mettre ça. Ceci conserve vide. Donc là, au niveau du plastique, on a 13 plastiques. D'accord. 13 plastiques, ça fait quand même qu'il nous en manque 12. Ça fait beaucoup, hein. Il manque encore 12 plastiques. En pièces mécaniques, on a le compte. On en a 16, il en faut 15. Donc ça, c'est bon. Lingot de fer, on a les 20, il n'y a pas de souci. Lingot d'acier, on en a 16, il nous en manque 4, sachant que j'en ai un 17e qui se fait. Vu qu'on a un peu tapé dans les lingots d'acier la dernière fois, donc voilà, il m'en manque un chouïa. Toi, les bandages. Ouais, je sais pas pour tout mettre en fait, hein. C'est pas grave, on va en mettre un peu ici. Alors ensuite, on vide cette caisse-là. Je vais peut-être pouvoir faire un autre. Oui. Fabriquer.
Donc là, je fais ceci. Je peux mettre le cobalt, je peux mettre ça. On va reprendre des pierres. Ok, on met ça là, on met ça ici, et le cobalt, non le cobalt il fond, après, ça ici, j'ai encore un charbon, nickel, donc là c'est, on est en mode rangement, hein. Là, j'ai ceci. J'ai encore. Ouais, je vais pouvoir encore faire un acier. Il va pas manquer grand-chose hein, pour l'acier. Ceci. Les plumes. Le Kevlar, les cordes. Les os entiers, c'est là. Briques sèches, c'est ici. Briques sèches, ça va me servir pour faire les transformations de la base, hein. Voilà. Ok, j'ai tout récupéré. Ah, j'ai encore du plastique là, donc du coup. Ah, 17 plastiques. Il n'y en manquerait plus que 8. Sachant que j'ai pas regardé encore comment on fabriquait le plastique, hein. C'est peut-être pas trop compliqué à faire. J'ai encore un minerai de fer que je vais garder précieusement. J'ai peut-être, attendez, ici. Bah voilà, je peux refaire un autre alliage. Impeccable. Ça, je vais le mettre là. La petite canette comme ça, on la met là. Ici, je récupère tout ça. On va mettre ça, 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 ça. Voilà. Il n'y avait plus que ça. Un là, ça fait 18. Il va nous en manquer un en fait, hein. Il va juste nous en manquer un lingot d'acier. On est à 18. J'ai. Bah non, même pas. J'aurais pile 20. Waouh, incroyable. Donc en fait, techniquement, là, il me manque que les plastiques pour aller réparer le véhicule. Ce qui est plutôt cool. Alors par contre la brique sèche, je vais la mettre là. Hein, que j'ai de trop. Ici, il faut vraiment que je fasse un peu de transformation. Donc on va faire un comme ça, un autre là. Voilà. Ici, j'ai plus de place pour stocker quoi que ce soit. Même les œufs, en fait, je peux pas. Va falloir que je mange ça en premier. Hop, comme ça. Le foin. Pour mettre à fond. Bah, je suis quasiment à fond partout. Il faut que je fasse faire de l'eau. Je pense pas qu'il m'en reste là. Non. Donc on va faire de l'eau. Rapidos. On fait ça. On fait ça. Ok. J'ai plus de place sur mes séchoirs. Donc ça sert à rien que je refasse du stock de bouffe. Mes cultures sont full. Hein. Donc là, ce côté-là, je suis tranquille aussi. Là, je vais pouvoir boire. Voilà. On va faire ça. Et on va faire ça. Parfait. Donc là, on est bon. Tout est rangé. Je vais bouger le chariot. On a un vambise là qui traîne chez nous. Tu vas t'en aller. Via la mort. Voilà. Parfait. Il nous a donné trois petits lingots
trois petits morceaux de fer. Voilà, 20 lingots d'acier. On refait notre stock de fer aussi, c'est pas trop mal. Parce que si on répare le véhicule, il nous restera que 11 lingots de fer. Donc il va falloir continuer à farmer le fer, hein, parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour les crafts. On est à 5 heures de l'après-midi. Il nous reste 20 minutes dans l'épisode. Ok, il faudra qu'on aille farmer de la pierre, justement. Donc, les loulous. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des choses. Donc déjà, dans l'étape de craft de base, il nous manque toujours le métier à tisser d'ailleurs. Hein, tiens, ce sera dans le dernier POI. Donc on pourrait se faire la scie circulaire. 8 fer, 2 cobalt, 4 pièces mécaniques. Ah ouais, mais ça va me taper dans les pièces mécaniques. Ça m'intéresse pas trop. Mais en l'état actuel, on peut la faire. Ici, j'ai rien qui m'intéresse. Ici, donc les panneaux solaires. Les fameux. C'est du cuivre, du cobalt, de l'alu et du fer. Bon, ça c'est intéressant ça. On va peut-être commencer à en crafter. Alors, sachant que eux, on peut pas les mettre comme ça à même le sol. Très bien. Est-ce que je peux sur mon toit? J'en ai pas la moindre idée. Attendez, on va essayer de. Ça a pas l'air de se. Faudrait que je puisse monter sur mon toit. Comment je pourrais faire ça? Non! Oh, ma lance! Non, 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 non. Ok, il est mort. J'ai récupéré ma lance. Ah ouais, non, j'aurais été dégoûté. Hein. Rends ma lance. Ok, très bien. Bon, j'ai un cadavre de raton laveur, super. Je m'en serais bien passé, en fait. Attendez, je vais le poser là. Je vais aller chercher le chariot au pire. J'en ai pas vraiment l'utilité, mais bon. D'abord, il faut que je fasse ça. N. Pourquoi je peux pas te déplacer, s'il te plaît? Merci. Monte. Merci. Je l'ai déposé où? Je l'ai tellement bien largué en fait juste avant de. Ah bah ça c'est pas mal. Je pensais l'avoir déposé sur les pierres. Oh, c'est pas les pierres qui sont là. Hein. Ah si. Pardon. J'étais pas du bon côté. Reviens ici, charrette. Voilà. Ok, impeccable. Voilà, on écart, on fait de l'écarissage. J'ai pas la place de prendre ça. Très bien, on va se laver les mains. Ok. M'a pas donné de peau, m'a donné de la graisse et des os. Bon. Et deux morceaux de viande, enfin un morceau de viande et son foie. Ok, donc on en revient au panneau solaire.
Les panneaux solaires. Je vais voir si je peux mettre un petit escalier là sur l'extérieur pour monter là-haut. Un escalier en L. Attendez. Déjà, est-ce qu'on peut? Snap. Non. Très bien. Il faut quoi? Il faut une fondation pour monter? Ah, je vois le... D'accord, faut un ceiling. Ou j'imagine une fondation. Attendez, à l'intérieur, ça doit marcher. Ah, quoique. Ah, je sais pas. Ben, c'est pas grave. On va faire ceci. On va faire... Hop. On va couper un arbre. Tac, il nous faut ensuite 6 planches. Oh, attendez. On va remettre des trucs ici. On va taper un autre. Ah, je suis trop lourd. Trop lourd aussi. Ok, bon, bah on va faire ça. Aïe aïe aïe, mode escargot enclenché. Je pense que c'est à cause des pierres, hein, que je suis trop lourd. J'ai trop de trucs sur moi. En même temps, j'ai trop de nourriture aussi, hein. J'ai beaucoup trop de nourriture. Ah oui, et puis j'ai... D'accord. Je comprends pourquoi. J'ai quand même eu déjà pas mal de viande qui se sont stackées dans mon inventaire, en fait. Ok, donc ça c'est bon. La viande, on va la faire cuire, hein. Non. Voilà, on allume. Ici, tiens, on va mettre ça. Ici, le dernier bout de viande. On allume aussi. Je vais aller chercher ceux qui traînent là. Voilà, on va faire cuire ça aussi. Ok. Je sais pas du tout où je vais stocker tout ça. J'ai vraiment un problème de place, hein, pour l'instant. En fait, regardez, je vais faire ça. Voilà. Parce que j'ai vraiment trop de trucs sur moi. D'où mon problème de poids. Ah! Ok. On prend les pierres. Donc là, c'est cuit. Et là, c'est cuit. Donc. Bah, j'aurais plein de viande, hein. Séchée, cuite, j'ai de tout, hein. Voilà. Et là, il n'y a rien. Parfait. On va mettre tout ça ici. Je vais mettre les poissons aussi. Une grosse partie de toute cette bouffe va être perdue, je pense. Il faudrait qu'on fasse un frigo et qu'on l'alimente, mais bon. On peut pas être partout. Donc, une, deux. Une, deux. Une, deux. Très bien. Ensuite, on veut, on a dit, un escalier. Alors, attendez. Voilà. Pour faire un escalier, il nous faut bûche en bois 4 et 6 planches encore. Alors.
Et les bûches. Alors des bûches. Déjà, on va restacker ici. Parfait. C'est vraiment cool de pouvoir taper les petits arbres en deux coups. Maintenant, grâce à la hache en fer. Donc escalier, pardon. Ok. Et ça, j'en ai plus besoin. Donc maintenant. Ouh, bah tiens, je sais pas d'où ça sort, ça. J'avais une bûche sur le toit, c'est pas mal ça. Donc on veut placeable, énergie. Voilà. Donc on veut, hop. Allez, on va mettre ça là. Ok. Donc on a dit, il nous faut du fer, de l'alu, cobalt, cuivre. Bon, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, hein, mais on va tenter de le faire. Alors déjà. Ah là, mais j'ai vraiment un problème de poids sur le jeu. Je peux rien porter, ça me saoule. Je suis en train de me dire en fait que même si on améliore le sac à dos, en fait, on pourra pas porter tant que ça parce que on est toujours trop lourd en fait. Alors à moins que le sac à dos augmente le poids porté, c'est une possibilité. Mais sinon, c'est plutôt embêtant. Donc 2 cuivres. 1, 2, 3, 4. Et c'était de l'alu. Ah ouais, alors le problème, c'est qu'il va falloir que je retourne à la grotte d'aluminium. Parce que bah, j'ai pas d'alu. Bah j'en ai pas assez, il m'en manque 2. Bon, eh bien, il y a du taf. Donc, je veux aussi pouvoir faire du plastique. Alors, le plastique, ressources, il est où? Il est là. Le plastique, c'est 3 cannes d'huile et des copeaux d'écorce. Alors, c'est pas trop chiant, mais des cannes d'huile, je dois pas en avoir 50 000. J'en ai 16 avec de l'écorce. Et ça se fait sur. Alors déjà, est-ce qu'on peut le faire en grosse quantité? Oui. Je peux en faire. Ok, je peux faire 5 plastiques d'un coup. J'ai toujours pas regardé où ça se faisait, par contre. Ah, la table d'alchimie. Ok, je n'ai pas. Donc, il faut faire la table d'alchimie en premier. Super. Alors, la table d'alchimie. 3 lingots de plomb, 10 clous, 2 verres, 10 planches. Ah bah ça c'est pas trop compliqué. Alors la table d'alchimie, on peut se la mettre là. Si elle rentre. Non, elle rentre pas. Ici. Non, elle rentre pas non plus. Eh ben on va la mettre au milieu, hein. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de place. Peut-être falloir penser à s'agrandir. Donc en fait, toi, t'es plus gênant qu'autre chose. Pour l'instant, je vais te mettre là. Et la table d'alchimie. On va la mettre ici. Allez. À peu près au milieu. Voilà. Donc, 3 lingots de plomb, 2 verres, 10 clous. Va falloir qu'on se couche, hein. Non, je me suis trompé. Alors. 2 de verre.
10 clous. Il est où? Ouais, on voit plus rien, on va se coucher. On continuera demain. Enfin, sur la journée de demain. De toute façon, on arrive tout doucement mais sûrement à la fin de l'épisode aussi, hein. Et oui. Ok, on a soif. Voilà, c'est la priorité. Et il me manque les 10 planches. Alors, attendez. Là, j'ai rien à déposer. J'ai eu un lingot de cobalt. Très bien. Lingot de cobalt, ça j'en veux pas. La graisse, elle vient là. 10 planches, on a dit. J'en ai que 5. Voilà. Ok, la petite table d'alchimie. Donc là-dessus, on a dit qu'on mettait 15 et 25. Donc 25 de ça. Et bah, c'est la totalité. Voilà. Ça ne marche pas. Il faut pas l'alimenter, j'espère. Attendez. Non. Mais du coup, j'ai pas les bonnes quantités, peut-être. 15 cannes d'huile, 25 copeaux d'écorce. Ah, copeaux d'écorce. Mais oui. J'ai pris de la fibre, moi, en fait. Voilà. Très bien. Donc, on a dit ça plus ça égale ça. Parfait. Donc là, les loulous, normalement, je dis bien normalement, on a toutes les ressources pour aller réparer le véhicule. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire ceci. Là-dedans, je vais déjà mettre ça. On va prendre tout ça. Ouais, une caisse, ça va pas me suffire, hein. Il va me falloir deux coffres, hein, pour tout déménager. Ouais, clairement. Bah, je peux pas prendre. Plastique. Tac. Ah ouais, ça va être tendu, l'histoire. Alors attendez, je range tout mon entre guillemets bordel. Bah ça je peux pas. Ça va mettre ça là. Il me faut ça. Il me faut bah tout ça sauf un. Ah j'y arrive pas. Voilà. Juste un. Hop. Voilà. Donc toi. Tu es plein. Je suis pas sûr qu'avec deux coffres on puisse tout transporter. Hein. Et surtout, il va falloir que je fasse un autre coffre. Vu que là c'est plein. Celui-là il est plein là, qui est en vrac. Oh là 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 là, c'est toute une organisation. Meubles. Non. Rangement, pardon. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour faire ça? C'est des planches encore. Planche, je ne peux pas attraper. Oh, mais quel bordel! Oh, j'hallucine, quoi. Rangeons différemment. Voilà, je vais pouvoir porter des planches là. Ok. Donc ceci, ceci, ceci.
Le plastique. Donc attendez, 10 plastiques plus. Donc là. Attendez, je reprends mon screen. Le plastique, c'est 25. J'ai pas les 25 en fait. Ah ouais, mais donc en fait, je l'ai dans l'os pour l'instant. Ah, j'ai mal calculé. Mais non. Oh là là, mais je suis un boulet quoi. Ah, ça là. Bon, bah je peux pas le faire en fait. Oh, mais quelle galère. Il me manque 3 plastiques. Donc en fait, si je veux avoir du plastique, il me faut des cannes d'huile. Pour avoir des cannes d'huile, du coup, il me faut l'extracteur d'huile. Ah ouais, on part sur un autre délire là, une fois de plus. Il me faut... c'est dans quoi d'ailleurs? Autre. C'est ça. Bon, bah les loulous, on va faire ça en prio. Parce que j'aimerais bien pour aller faire le dernier POI, j'aimerais bien en fait utiliser le véhicule qui serve quand même au moins une fois à quelque chose. Du coup, je vais quand même stocker les ressources dans mes deux coffres. Ici et ici. Voilà. Parce que de toute façon, il va nous les falloir. Donc on va faire ça. Et ça. Ce que je comprends pas par contre, c'est qu'il va falloir que j'ai des trucs sur moi parce que en lingots, sachant qu'il faut 20 de fer et 20 d'acier, et bien les 40 lingots en fait ça va me remplir les deux coffres. Donc ça, par exemple le plastique et les pièces mécaniques, faudra que je les ai sur moi parce que je vais pas avoir le choix. On va faire comme ça. Ok. Ici. J'ai ça qui va se faire. Donc. Vingt lingots de fer. Et puis on s'arrêtera là, hein, parce que je pense qu'on a déjà dépassé la durée de l'épisode. Bon, au moins voilà, j'ai mes 20 lingots d'acier, mes 20 lingots de fer. Stockés ici. Ici, j'ai du stock de bouffe. Donc de toute façon, j'ai faim, là, on va manger. On va se prendre ça. Ok, on n'est pas trop mal. Il me manque un peu de vitamine. J'ai pas grand-chose qui me donne de la vitamine, là, de toute façon. On boit un coup. Voilà, les jauges sont quasi à fond. On est bon par rapport à ça. Au niveau de l'épisode, oui, on dépasse un peu, mais c'est pas grave. Donc, premier objectif, faire des cannes d'huile. Enfin, faire des, ouais, des cannes d'huile pour pouvoir refaire des plastiques. Donc, il va me falloir des vis, des lingots d'acier que je n'ai plus. Ou il faut que je tape dans mon stock. Donc, je vais taper dans mon stock, j'ai pas le choix. Lingots d'aluminium, 15. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et pièces mécaniques. 6. Donc je vais devoir taper aussi dans mes pièces mécaniques que j'ai en stock. Ah, ça va être vraiment dur, hein. Bon, bah on verra ça au prochain épisode. Les loulous, on va se laisser là-dessus. Bon, j'espère que cet épisode quand même vous aura plu. C'est quand même ça le plus important, on va dire, hein. Et puis voilà, je remets mes étagères convenablement. Regardez si c'est pas magnifique. N'hésitez pas à me donner quelques conseils et astuces, hein, par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à ce que je voudrais avancer. Alors pas de spoil, hein, mais je pense pas qu'il y ait de spoil de toute façon maintenant que qu'on puisse me faire. Dans tous les cas, voilà, je vous laisse là-dessus les loulous. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!